reflected first for people in Turkey and people all over the world, and also to inform people, you know. And the most important thing was that I felt I would like to do a film in order to break or open a room, a space for freedom of speech about everything, you know. So the freedom of speech is the most valuable gift democracy has reached, you know. And you couldn't talk so easy about the Armenian genocide for, you know this, you know, for many, many years. And I thought it's not the right thing, this being mute, you know. I think the right thing is the dialogue, you know. Whenever there is a conflict, you solve it with a dialogue, with talking, with communication. That was some of the motivations. Il y a eu plusieurs motivations. La première, ça a été que depuis que je suis adolescent, ce sujet des événements de 1915, le génocide perpétré à l'encontre des Arméniens, est un sujet qui me hantait, qui me poursuivait, aussitôt que j'en ai pris connaissance à travers mes lectures. Et donc très vite, j'ai ressenti le besoin d'en faire un film. Je me suis dit que je ferais un film dont l'histoire s'ancrerait dans le cadre de ces événements-là, à la fois pour permettre de refléter cet événement, que les spectateurs, le peuple turc, mais aussi d'autres peuples en prennent connaissance, mais aussi pour évoquer ce sujet et permettre une réflexion sur ce sujet, là aussi, pour tous les peuples. Parce qu'il me semblait que c'était une très bonne façon d'ouvrir un espace qui soit un espace consacré à la liberté d'expression. Je crois que la liberté d'expression est le plus beau cadeau offert par la démocratie. C'est un des plus grands accomplissements des sociétés démocratiques. Et que donc le tabou qui pesait sur la question du génocide en Turquie et ailleurs, le fait qu'on ne puisse pas en parler, est quelque chose qui, moi, me posait problème. Je trouvais que ce silence et ce mutisme sur cette question ne me convenaient pas et que tout conflit, tout désaccord ne peut être surmonté que par le dialogue et la communication. Donc c'était pour moi ce sujet-là aussi qui était au cœur du projet, donc ça fait partie des motivations qui ont été les miennes. I tried to find a way for... I was looking for that particular taboo, you know, to not have the room to speak about the Armenian genocide in the Turkish public, you know. I thought about this, but yeah, you can adapt it to everywhere where people were trying with violence to try to get mute, you know. Oui, absolument. Vous avez vu juste. C'était vraiment ce que je cherchais à atteindre à travers ce film, d'incarner en quelque sorte le mutisme, le tabou de l'évocation même de la question du génocide arménien pour les Turcs, et donc cette violence que l'on exerce. Is politics, what is politics? Politics means you have an opinion about something and automatically an anti-opinion appears. This is politics. And I don't want to have one group of audience and do not want to have a certain other audience. I want to have all the audience. That's why I try to not have politics in the film. But we're here, the film is there, you saw the film, and the questions or the dialogue the film provocates is a political. So it is a political film and it isn't. Je suis avant tout cinéaste, donc quand j'approche un projet, ma première question c'est l'histoire que ce film raconte. Donc quelle est l'histoire que raconte ce film-là? En l'occurrence, c'est celle d'un père survivant à une tragédie humaine, à un génocide, qui apprend que ses filles sont vivantes et donc qui entreprend la quête à travers le monde pour retrouver la trace de ses filles. L'histoire, c'est celle-là. C'est l'histoire archaïque qui est au centre du film. Et quand je raconte cette histoire-là, je prends bien soin de ne pas y placer un message politique. Parce que qu'est-ce que c'est la politique? C'est une thèse, c'est défendre une thèse. Et aussitôt que vous défendez une thèse, vient se contrer une antithèse. Et moi, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour
donner à entendre à ceux qui le souhaitent, ceux qui sont d'accord avec le film, et puis me mettre à dos ceux qui ne sont pas d'accord avec la thèse du film. Moi, je m'adresse à tous les publics, je veux que tout le monde puisse entendre ce que je dis dans mon histoire, mais il se trouve qu'une fois que le film existe, que nous sommes réunis là, les sujets, les discussions et par conséquent le dialogue engendré par le film est un dialogue politique. Donc il y a une dimension politique, mais ma démarche n'est pas d'inscrire un message politique dans le projet que je produis. Simon, pour vous, justement, ce personnage et ce film perpétuent et continuent l'engagement que vous pouvez avoir pour certains rôles, justement ? C'est un petit peu la suite de ce qui s'est dit juste avant. À un moment donné, il y a des choses qui s'appellent un choix. Une chose, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est aussi... Parce que quand vous regardez le film de Rambo qui se fait justice lui-même, c'est politique. C'est une manière de dire, on passe pas par la justice, on se fait justice soi-même. Moi, j'ai toujours essayé de raconter l'histoire de mon temps, de faire partie, de m'inscrire dans l'histoire de mon humanité, de mon pays, qui n'est pas seulement la France, mais qui est aussi l'art, les arts. Et puis, la politique fait partie, ce qui s'est passé aujourd'hui fait partie de moi et je ne peux pas y échapper. Donc, dans mes choix, et ça me sonne absolument. Et une fois que le moment du chaos sera passé, on va tous réfléchir ensemble à comment continuer, parce qu'on est déjà sur la bonne voie. On ne se réveille pas un jour étant un acteur engagé ou pas. On est engagé dès le début, on ne l'est pas. Donc je vais continuer plus fort ce que j'ai entamé dans ma vie d'acteur et dans ma vie d'homme et de garçon. Je vais continuer de le faire. Et dans ce travail-là avec Fatih, c'est une absolue continuité. Sans parler du symbole du fait. Bon, moi, j'aime Fatih parce que j'aime son cinéma. Il se trouve que le gars, il est turc. Et qu'il vit en Allemagne. Et qu'il parle deux langues, trois langues. Et qu'il a écrit ce scénario. Et que d'abord, que c'est une belle histoire. Et que je voulais m'inscrire à l'intérieur de ça. Et en plus, de voir un Arménien œuvrer aux côtés d'un Turc, je pense que c'est le début d'un nouveau chapitre qui pourrait s'inscrire entre nos deux peuples. C'est tout, voilà. Parce qu'il n'y a pas de gêne dans le sang du peuple turc en disant la gêne qui voudrait tuer les Arméniens, ça n'existe pas, c'est juste une question de persévérance éducationnelle et qui pourrait se transformer éventuellement en bon voisinage, voire en fraternité. Donc voilà, on s'inscrit là-dedans et puis c'est un bon maître, quoi, surtout. Voilà. And research of reports of witnesses who survived the genocide, witnesses who wrote about it, talk about it, oral stuff. And when I read all this material, I discover very early that how strong the cinematographic element of these stories were. And I collected a lot of stories from different people and try to find a way to make it as one man's story, but it's based on, I don't know, 100 of witness reports I read. En fait, dans le processus d'écriture du scénario, ça a été nourri par des recherches très précises, ça a été des récits faits par des survivants de génocide, des gens qui ont raconté leurs histoires et que j'ai recueillies. Donc après, ce dont il s'agissait, c'était de prendre cette multiplicité de voix et d'histoires qui étaient des histoires authentiques et d'en faire une histoire unique. Je sors du film Un prophète par Jacques Audiard. And it's an extraordinary film, very strong. And one of the reasons why the film is that strong was the performance of Taha Rahim. And I was like, I don't have to search anymore for my Nazareth. This is my Nazareth. You know, he may be a bit young, but you know, the kids at that time, they married early. He can be Nazareth. And he looks Armenian. You know, so I asked him if he wants to do it. And he liked the script and he accepted. J'étais déjà en train de faire le casting de mon film et tout à fait par hasard, je suis tombée sur Un prophète de Jacques Audiard.
qui, à mon sens, est un film extraordinaire. Et la force du film tient de la, du jeu d'acteur de Tahar Rahim. Donc je lui dis, c'est pas la peine que je continue de chercher mon Nazareth, il est là. Alors certes, il est un peu jeune, mais à l'époque, les hommes se mariaient jeunes et faisaient des enfants jeunes. Et puis, il a une tête d'Arménien. Donc je lui ai proposé et le scénario lui a plu. Voilà, c'était... The founder of Agos, the Armenian Turkish newspaper. He was shot in January 19th in 2007 in Istanbul in front of this newspaper house. His death was in a way a proof that the politics of fearing and threatening had not succeeded. There was a civil movement after his death. You know, it was like 100,000 people went to the street and they all were yelling, you know these pictures, we are all Armenians, we are all Randink. So, I don't like the word martyrdom, you know, but he was a martyr in a way. His dad provoked discussions, open dialogues. Another important step was the book by Hassan Cemal, you know, and it was called 1915, the genocide on the Armenians, and it came out in Turkey in 2012, and you could buy the book everywhere. And there was no persecution because of paragraph 301, insulting the Turkish, and stuff like this didn't happen anymore. I mean, the people on the street, the people on the folk, the folk, they are not too happy with these things. They're still angry and aggressive and insult you and your family, you know. But the government had decided to let the thing to the people. Je pense que un événement déclencheur peut-être a été l'assassinat de Randink en janvier 2007, lui qui était le rédacteur en chef du journal Agos et qui a été assassiné en face de son journal il y a 8 ans. Je pense qu'à ce moment-là, ça a été la fin de la... du pouvoir de l'intimidation, en fait, puisqu'après ça, il y a eu un vrai mouvement civil. Il y a 100 000 personnes qui sont descendues dans la rue. Il y a eu des manifestations où les gens ont dit « nous sommes tous des Arméniens ». Et après ça, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans l'esprit des Turcs et dans la possibilité de s'exprimer. Et puis, il y a eu le livre de Hassan Cemal qui, lui, est sorti en 2012 et qui était en vente dans toutes les librairies, qui s'appelle « 1915, le génocide arménien ». Et le fait après d'évoquer les textes de loi, d'évoquer la question, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de déni ou de violence. Il y a encore de la violence verbale, il y a encore de la haine, il y a encore des prises à partie, mais chez les individus, auprès du peuple, le gouvernement en tout cas a décidé de se démarquer de cette position-là et de laisser finalement cette question-là entre les mains du peuple. I had very few cinemas to show the film in Turkey. There were 24 cinemas in all over Turkey, you know, in six cities. And the reason why there was not more cinemas was not because of the government didn't allow it. It's the cinema owners themselves who refused the film. So the censorship is a self-censorship. It's in the people. Mon film a bénéficié d'une petite sortie puisqu'il y a seulement 24 écrans sur 4 villes, 6 villes, ce qui est peu à l'échelle du pays tout entier, mais ce n'est pas du tout le gouvernement qui a exercé des pressions pour que les salles ne prennent pas le film, c'est les exploitants eux-mêmes qui ont été dans cette frilosité et qui se sont auto-censurés en quelque sorte. One part of the research were mute silent films of that time, you know. So when you really want to settle a film in the 1920s or before, what you do is, I try to see a lot of films from that period, you know, to study the costume and study the faces of the extras. And for sure, you discover Chaplin again, you know. You study Chaplin again, but when you see Chaplin, you don't see the costume anymore, you know, or the buildings or the cars, you stuck on Chaplin. And The Kid was one of the films I have seen in that research period, and I thought, hey, this is great, this is the story I'm talking about, we should use that into the
in the film, and it fit in a way. And so Chaplin became a concept for the whole film, like also like directing Tahar, you know, like showing him Chaplin, and we spoke a lot about it. It's difficult to judge what was the most violent stuff I have read. I read so much violent stuff. I mean, the most violent things are the real things, the reports, you know, because novels or films, they always have a certain filter for the violence. But when you read, for instance, the archives of the Foreign Ministry Affairs from Germany, Wolfgang Gust published those archives, those notes or diaries from ambassadors from that time, they were kind of cruel. And the most happy thing is, I don't know, whenever I see somebody from Armenia, I'm happy, you know, so one more family which has survived. En fait, les films muets, ça faisait vraiment partie des archives et du matériau à utiliser dans ma recherche. C'était ce que j'avais de mieux à faire. À partir du moment où vous faites un film d'époque qui traite des années 20 ou un peu avant, le meilleur matériau que vous avez, c'est de regarder les films, ne serait-ce que pour étudier les costumes, les visages des figurants, les décors, les immeubles. Donc c'est pour ça que je me suis plongée dans Chaplin, que j'ai recommencé à étudier Chaplin, et en voyant The Kid, je me suis dit, mais tout est là, le film est là, en fait, c'est aussi le sujet de mon film, donc ça pourrait s'inscrire dans le film, et finalement ça collait très bien, ça marchait très bien, et il se trouve que Chaplin finalement est devenu une référence aussi pendant tout le travail de direction d'acteur que j'ai fait avec Tahar. Je sais que je lui demandais de le regarder, de le voir, donc il nous a accompagnés comme ça pendant le processus du film. Après, pour ce qui est de mon travail de recherche, la question que vous posiez, c'est vraiment difficile de dire ce qu'il y avait de plus violent. Je pense que là où la violence était la plus crue, la plus rude, c'est quand c'était vraiment de la lecture de textes authentiques, c'est-à-dire des récits, des journaux. Parce que aussitôt que vous travaillez sur des romans ou des films, il y a le filtre de la fiction qui adoucit les choses ou qui vous permet, vous, d'avoir plus de recul, alors que quand on ouvre les archives du ministère des Affaires étrangères allemandes qui ont été publiées par Wolfgang Gust, là vous avez les journaux, les récits tenus par les ambassadeurs de l'époque, et ça c'est extrêmement violent et dur à entendre. Et ce qu'il y a de plus heureux, je ne sais pas, je suppose que c'est à chaque fois que je vois un Arménien, ça suscite une joie ou un réconfort en moi, parce que je me dis que c'est une famille de plus qui a survécu. Je ne veux pas dire en trois mots qui est fatigué sur un plateau, mais de l'expérience que moi j'en ai eue, c'est quelqu'un qui est très joyeux, qui est très amical et qui est très 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 ferme sur ses demandes artistiques. Et c'est quelqu'un qui ne lâche jamais tant qu'il n'a pas eu, il ne s'est pas approché de la vision qu'il avait au départ de ce qu'il avait. En même temps, il est prêt à ouvrir. Mais c'est quelqu'un qui c'est là, pour moi, toutes les composantes d'une personne, qu'elle soit homme ou femme, qui puisse devenir quelqu'un de génial dans son art. Puisqu'il y a ce recul-là qui est un recul joyeux, et en même temps, cette passion-là et cette fermeté-là qui est de ne jamais lâcher le moindre détail jusqu'au bouton de chemise ou les savons qui sont mal empilés ou les lumières qui sont pas d'époque. Voilà quoi. Et le mec, il est capable de tout recommencer et de tout refaire. Et c'est pour ça qu'il est aussi qu'il est producteur, parce qu'il a cette liberté. Il se donne les moyens de son exigence et de sa passion. Parce que c'est un amoureux des hommes. Quand on est un grand artiste, c'est qu'on reflète l'amour des hommes qu'on a. C'est une grande responsabilité que de représenter les hommes. Moi, à mon échelle, je suis acteur, je représente les hommes. Lui, il organise cette rencontre, cette représentation. Il est le maître d'œuvre. Je ne dis pas ça parce qu'il est à côté de moi, mais voilà, sur le chemin de la vie, quand on rencontre des gens comme ça, on ne peut que le marquer, le remarquer, et souhaiter qu'on se rencontrera une autre fois sur un plateau. Thank you.